Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Starbound V5, Please the Giraffe, chers amis. Donc on part, on va peut-être mettre une ou deux pétoches ici quand même au cas où. Hop. Ah oui, parce que j'ai plus mes drapeaux, hein. J'avais fait des drapeaux en masse, mais je ne me rappelle plus ce que j'en ai fait. Si, ils sont là. Ah ah. Crac. On va mettre le drapeau. Et on va par... Bah, un coffre, déjà. Manquerait plus qu'il y avait le blueprint dedans. Blink Explosion. Ah, ça peut être sympa au nom, ça. Energy Aurora. Enfin, Aura, pardon. Ok, pourquoi pas. On va récupérer le coffre, seul. Pardon, cela dit. Voyons voir. D'accord. C'est vraiment un simple blink pour s'échapper, en fait, hein. Et niveau dégâts, j'ai pas fait attention. Hop. Ah bah, ça va. J'ai connu pire. Cela dit, 57 de dégâts. Celui-là, on faisait 52. Ah oui, effectivement, il en fait bien plus. Et non, t'es à moitié humanoïde, toi. Non. Ça ne l'a pas one-shot. Intéressant. Intéressant, intéressant. Je ne sais plus s'il y a une stat de strength. Il doit y en avoir une, mais... Boum. Mais elle ne considère pas, elle ne prend pas en considération les armes, je pense. Dommage. Elle est un peu inutile, cette attaque, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on est en contact avec l'ennemi pour l'utiliser. C'est un peu stupide, peut-être. Mais en tout cas, ça fait un blink, c'est toujours ça le prix. Oula. Un mec, un Floran. Attendez. Boum. Boum. Marteau. Voilà. Je vous rappelle que je n'aime pas les Florins. D'ailleurs, il n'a jamais été là. On va enlever toutes les preuves. Toutes les preuves vont être effacées, chers amis. Comme ça, on sera tranquille derrière. Par exemple, ceci, je peux le supprimer. C'est pas grave. Ça aussi. Voilà. Aucune preuve. Il n'a jamais existé un coffre. Oh, merde. Ah bah, je me disais aussi, il fallait bien qu'il se venge à un moment ou à un autre. Oh, je sais. Dans le vaisseau, on m'a donné des dagues. Aïe, 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 aïe. Oh, merde, je suis attaqué de tous les côtés. Aïe. Ah, ça fait pas de dégâts. Non. Vous imaginez son bouclier, là, à l'heure actuelle. Ah, mais il me saoule. Dégage. Hop, meurs, meurs charogne. Ok. On a pris plein la poire. Bon. J'ai plus de dagues. Au moins, je peux les crafter maintenant, ça c'est assez cool. En me les donnant, en fait, il m'a permis de les crafter, d'apprendre à les crafter, donc c'est pas mal. C'est un mal pour un bien, comme on dit. Hop. Même par là, je crois que c'est pas safe. Par là, ça doit être mieux. Ah bah. De toute façon, je sais plus ce qui est safe dans le jeu maintenant, moi. Hein. Hop, voilà. Ah, ça marche. Ça s'arrête tout seul, d'accord, c'est un peu stupide. Crac. Ah, il m'a pas suivi. Sinon, il aura pris des dégâts. Ou alors, il est loin derrière. C'est possible aussi, bon. Quelque chose dans le coin? Non. Dommage. Hop. Pas de coffre, rien. Ah, c'est dommage ça. On sait que je montrais au moins l'escalier, enfin le petit escalier qu'il y avait, mais non, même pas. Tu peux crever, Marcus. Hop les. Eh ben non, je me suis pas pris de dégâts. Trop de talent. Trop de talent. Hop les. Je suis pas le seul à entendre un espèce de craquement. J'ai cru. J'ai cru, bon c'est pas grave hein en soi. Allez vas-y saute. Il a même pas touché les premières flammes. Ah bon, c'est pas grave. Aïe. Oh là là, c'est pas... On va attendre qu'il approche. Crac.
Trac. Voilà, par contre faut bien le faire qu'une seule fois quoi. Le problème c'est que je sais pas si c'est un truc à charger ou si... Oh mais merde, s'il repop au fur et à mesure que je les bute aussi, c'est pas rendu, on n'est pas rendu. Hein. Bon. De quoi je pourrais vous parler, chers amis? Ah oui, tiens, la 1.0, comment qu'on va réagir, comment qu'on va jouer à la 1.0? Bah écoutez, je pense qu'on se trouvera le plus tôt possible une planète sur laquelle on pourra... Bonjour, évite de t'enfuir quand j'arrive, s'il te plaît. Sur laquelle on farmera, entre guillemets, un petit peu, si je peux dire ça comme ça. Super spin slash, ah bon, super. Si je puis dire, oui, on farmera, c'est-à-dire qu'on fera une ferme littéralement pour farmer un petit peu entre les compos et les différentes choses, c'est-à-dire les crews, l'équipage. Donc c'est-à-dire farmer de quoi apporter un équipage au vaisseau, surtout faire une planète aussi sur laquelle on pourra récupérer de la bouffe, puisque la bouffe sera nécessaire dans la 1.0, chers amis. Je le précise à nouveau, je crois qu'elle sera nécessaire en option. C'est-à-dire qu'il y aura un mode de difficulté l'incluant. Cependant, il a déjà été prévu... Oh, génial, la gauntlet. Il a déjà été prévu, chers amis, que ce fameux mode... Qu'est-ce qu'on a là? Une blink explosion, d'accord, pourquoi pas. Ce fameux mode... Les différents niveaux de difficulté, en fait, seront modifiables dans le jeu. C'est-à-dire directement en allant dans un dossier du jeu, on pourra remodifier avec un notepad classique. Remodifier légèrement certains aspects des différents modes de difficulté, par exemple avoir, oui ou non, une perte d'objets ou de pixels lors de votre mort. Avoir, oui ou non, l'accès, la possibilité de se téléporter en fait en haut comme en bas d'une planète. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez, si je creuse tout en fond de la planète, je peux me téléporter sur le vaisseau. Pendant un temps, c'était pas faisable. C'était complètement impossible. Ce qui était obligé en fait de remonter un certain niveau de la planète et de faire un trou si vous vouliez vraiment être... Oh merde. Si vous vouliez vraiment être... aller plus vite, vous pouviez faire un trou au bout d'un... Oh génial. Néo chakra, on l'a pas déjà? On l'a déjà, merde. Wow. On l'a déjà, fait chier. Et on a fait le tour. Bon, on va creuser, ça tombe bien qu'il y a un... Oh mais merde, ils sont nombreux en plus. Hop. Oh mais merde. Mais cassez-vous! Hop les... Mais merde, vous êtes nombreux, dis donc! Et vous allez arrêter avec vos bibules! Bah oui, en plus je peux pas le toucher de là, non. Je suis doublement baisé. Hop! Oh mais merde, ils sont nombreux! Ils sont tellement nombreux! Sachant que, chers amis, en parlant des profondeurs, il y aura des améliorations vis-à-vis de ces fameuses profondeurs. En l'occurrence, la possibilité de pouvoir scanner le terrain pour trouver, par exemple, d'autres grottes, d'autres chemins. Et aussi de pouvoir nous permettre de trouver... Oh là. De comment... Des minerais. Ça y est, on aura un scan à minerais intégré. Donc j'imagine qu'il sera pas là très tôt dans le jeu, hein, sinon ce serait peut-être un petit peu trop simple. Mais à un certain moment du jeu, vous débloquerez un scan qui vous permettra de savoir en fait si autour de vous il y a tel ou tel minerai. Ce qui peut être complètement pratique par exemple dans le farm d'un certain minerai. Par exemple quand vous voulez farmer pour les... Par exemple l'Aegisalt pour les armures ou les armes. Ou tout simplement pour avancer dans le jeu si vous en avez besoin. Hein. Mais oui voilà, il y aura une possibilité de farmer plus efficacement directement via le jeu sans avoir à le modder. Ce qui est une très très bonne chose, je dois l'admettre. Hop. Alors, apparemment il n'y a rien de ce côté là. Alors dans un coffre similaire à celui-ci on a trouvé un plan. Donc on espère toujours. Ici nous avons un scientifique qui a une bonne tête de scientifique d'ailleurs hein. Regardez-moi ça. Le char qu'on laisse. La challenge room. On va se la faire. Hop. Qu'est-ce que c'est? Santé. Santé, épée, combat. Hop. Crac. Hop, double flamme. Profite bien des flammes, l'ami. Hop, les... Et de 1... par contre on a des choses dans le coin donc j'aimerais les récupérer. Voilà, il y avait une roue pop flasque. Si tu le dis.
D'accord. D'accord. Parfait, on aura tout chopé sur cela. La suite. Oh là, il y en a encore. Hop les. Crac. Ah, joli. Joli coup à mon ami une. Hop les. Voilà. C'est ça que je voulais faire depuis le début, mais j'ai eu du mal. Hein. J'ai eu beaucoup de mal. Alors, ok. Ok. Ça va. Bon, rien de bien intéressant, cela dit. Hein. Ah, ah, ah. Hop, les. Un problème. Hop, raté. Crac. Ça y est, on les a tous tués. On les a tous tués. Il y a un truc ici. Hop, un coffre supplémentaire. Avec juste des pixels, malheureusement. Il aurait été intéressant de mettre les, en fait, tous les plans dans des challenge rooms. Un boomerang, c'est déjà ça. Oh, sympa le haut là. Bon, ça, je les ai en double, en triple, en quadruple, donc je peux les virer. Le boomerang, je le récupère parce que j'en ai pas justement en double, en triple, en quadruple. C'est vraiment dommage d'ailleurs. Je crois que j'en ai que un. Ça m'en fait deux déjà. Encore faut-il trouver les plans qui vont avec, malheureusement. Ce n'est pas le cas pour le moment. Ah, quoique. Non, c'est dans ces coffres qu'on les trouve apparemment. On en a vu un dans un coffre de ce style là. Qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? Oh merde, c'est con. C'est un chien ou quoi? Ah la vache, ça saute. Oh, le gros container. Alors ça, ça quand on en trouve un, on est heureux. Parce qu'on est habituellement, moi je les prends directement. Comme je fais mon vaisseau en mode admin, entre guillemets. Je les prends directement directement dans le mode admin. Mais alors ça, quand on en trouve un en vrai, on est vraiment heureux. Parce qu'ils sont assez rares, malgré tout. Et du coup, bah, vous avez vu la place que ça prend par rapport au container. Je sais pas si c'est vraiment le plus efficace, mais en tout cas, c'est... D'une, c'est assez RP dans un fond de vaisseau, par exemple, dans une soute. Aïe. Je l'ai pas vu venir, ce coup-là. Bon. Et de deux, oui, c'est vraiment stylé, quoi, je trouve. Moi. Donc voilà, bah écoutez les amis, on va se mettre là pour l'épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, on va se retrouver dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens et yo.